Manunga.
Passez-le tout.
Yeah.
Les 6 avril, oh yeah! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers papas et mamans, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril 2023 et nous sommes dans la continuité de notre fête du 6 avril. Et on se retrouve aujourd'hui avec la chorale Jeteki. Papa Président, comment allez-vous et comment vous sentez-vous pour cette occasion, cette fête énorme au sein de notre église? Bon, maman Kevin, je suis très joyeux, très heureux pour la date du 6 avril. En 2021, on a été en Kamba pendant les festivités de centenaire de l'église Kimbanguiste. C'était lors aussi de l'inauguration de Musée Papa Simon Kimbangu. Le président de la République, Papa Tshisekedi, en l'occurrence, il avait promis devant Papa Simon Kimbangu qui a gagné, devant le fidèle Kimbanguiste, que il va établir la date du 6 avril comme chômage et férié. C'était une promesse. 2 ans après, on est en 2023, quand papa vient nous dire qu'on commence à zéro, donc ce n'était pas un hasard. Avant le 6 avril, il vient de décréter une ordonnance intitulée que combat, la reconnaissance du combat de Papa Simon Kimbangu et la conscience africaine que la journée du 6 avril déclarée férié chômé. C'est vraiment une joie immense pour nous les Kimbanguistes. Ce n'est pas seulement les Kimbanguistes, c'est pour les Congolais, les Africains et la race noire tout entière. C'est vraiment une fierté. Parce que si on voit le combat qui a mené Papa Simon Kimbangu, c'était pour la libération et l'émancipation de l'homme noir. Aujourd'hui, on est libre, on est émancipé, on est fier de l'être et d'accepter notre race noire, c'est grâce à Papa Simon Kimbangu. Donc, on fait que jouir, donc c'est la joie, c'est la joie. Donc, avec émotion, parce que beaucoup de gens, ils ont entendu cette date-là, ils n'ont pas vu ça. En l'occurrence, nos parents sont partis, mais nous, on a eu cette chance de voir cette journée et de voir, de vivre cet événement en live. Donc, merci Papa Simon Kimbangu. Merci. Et papa, comment vous sentez-vous aujourd'hui et quelles sont vos impressions à l'occasion de cette décrétation de la date du 6 avril étant journée fériée et payée au sein de notre pays, le Congo, la RDC? Na komba tata moi na pe molimo sans ndenge to lobeli. Fête ya lelo ezali fête to ebiteni to loba. Ba koko na biso bazela ki likambo yo mingi ba kufi. Ba tata na biso ba kufi pona likambu oyo lelo esengo tozana ngo biso ba kimbangiste to yebite ezala ki lokola ndoto ndenge papa president ti koloba ndenge mokonzi ya mboka aloba ki yango na le 6 avril 2021 en Kamba que akopromulge loi oyo kosala ke le 6 avril ekokoma fête lokola anniversaire ndenge tomonaka ya bandeko lokola ba papa Kabila ba papa Lumumba. Ba fête monsieur Sotoyebi ya Kolo Yesu ndenge pe biso lelo ndenge ba papa ta ikolo bake le 6 avril makamyo sur banda zéro lelo to moni yango le 6 avril comme journée fériée et payé na kati ya mboka Congo biso pe toza na kati ya mboka France jete ki Saint Denis to sepeli na sengona ndenge bande ko bazali na Kinshasa ba sepeli biso a pe to sepeli pona likambu wana vraiment. Le coup de tata, mon papa Fati, Félix,
et le kumuna papa Simon Kimbangu Kiangani, tant que le bagage n'a plus que ton bandeli à zéro, tu es quitté à zéro et à Nini. Mais les lois à zéro en haut, tu monies que le 6 avril est comme une journée payée, férié payée, tu es habité, et c'est un nino qui m'a dit que tu es en haut, donc, et c'est un caca. Et c'est un donc, papa Oye, papa Oye, donc, et c'est un caca. En tout cas, nous allons aussi dans, avec notre maman. Maman, comment allez-vous et comment vous, quelles sont vos impressions pour cette nouvelle année 2023 et cette bonne nouvelle qui nous a été donnée par le responsable du pays, de la RDC. Et quels sont vos ressentis justement par rapport à cette bonne nouvelle-là de la date du 6 avril étant payée et fériée? Merci beaucoup maman journaliste na motuno tuningai nga komona nga maman Fifi m'envidi là nazali choriste na kora la jete qui apparaît à Paris Saint-Denis. Nabi ka bande kolanga basi ba répondre na tonga peto sa ki da ba interview pour la question oyo likamoko na koko ba sa peto bande kolanga ba le bien rentrer na koko ba ça. Au moins mukolo le 6 avril. Ezam kolo mo munene to remercier mokonzi amboka na ndenge à reconnaître grandeur ya journée oyo. Munene ya journée oyo et le moko na ko ba ça peut-être oyo biso ba ki mensa to yebi mais bata mokili ba yebite ba yeba papa biso li kambu ya bana misato na bana misato zali na ba nianga to zana lukaya to zana okase to zana ba luba donc fachi beton azali na katia bana misato bazali na likambu ya kosala bazana nyongwa papa bazali na musala donc fachi beton asali dika musa po zali na katia bana misato. Somo kilibo yebite donc azali na katia bana misato 6 avril oye to sepeli ne za ferie ne za chome et belé ba yimi yimi mais ba royer ba parce que ce n'est que le début. Papa Diangé dans le bas qui vivra, verra. Ça, ce n'est que le début. Donc, Makambo et Bandi, 6 avril. Oh yeah! Oh yeah, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Nous avons aussi notre maman qui. Nous avons aussi notre maman. Bonjour, maman. Comment vous sentez-vous? Quelles sont vos impressions pour cette date du 6 avril? Et que pouvez-vous nous dire et souhaiter justement voir à l'avenir en cette nouvelle année 2023? Et quels sont justement les secrets de papa? Souhaitez-vous voir justement se réaliser en cette nouvelle année 2023? Merci beaucoup, maman. Je te remercie beaucoup. J'ai parfois parlé à Lingala pour bien mes compréhensions. Merci. Comment Nazali maman Nkisi Yvonne na chorale Nazali Moyembi na lingomba Nazali maman Kengi vraiment ezali esengo mingi to sepeli ya mingi pambate biso ndeto yebakate loko nyose ko kisamaka na mokano ya yomoko alata ka toujours mwana na ye po eloko ngwe ko kisama to le monsieur sous chef de l'état na ndenge alobaki yango akokisi yango vraiment to zongi si matondo na mboka na ebule kamba Yerusalemi to sepeli mingi to ebike mingi za kuya susu ya minene. Ya minene tina ba le 25 nyonso wana ekokokisama. Alo ekosenga na biso bana papa Simon Kimbangu Kiangani toza la bomoko totika ba rankine. Totika makamba pamba toza bato ya mibeko lingomba na biso etambulaka na mibeko. Bato ya libanda bakokota ndenge nini a partir ya lateli na biso efandeli na biso lobili na biso. Soki biso moko kimia ezalite boyoka nezalite ezali mwa pasi. Papa za kotea mikolo nyonso. Papa Zali kaka ya biso moko te zali ya mokili mobimba. Azali vraiment mokili mobimba to tire attention. Vraiment yoko na kosenga na bandeko na biso na ngai moko maman Kengi nazali boso na bino to yeba ko tambola ko tosa mibeko pamba te lingomba na biso tambola kana mibeko. Vraiment to kumisi tata Simon Kimbangu Kiangani na mama Mwilu Kianga Stani Marie na pasio ba monaki elonga ya solo zali ko mona na pe ko mona na sumingi koleka. Vraiment biso bana ya eglise ya Paris Saint-Denis tosala ki mwa lisanga ya ko kumisa kaka ndenge baninga na biso ba kumisa ki na bamboka nyonso biso pe elongo yango to zongisi matondo na boule ya papa Simon Kimbangu Kiangani. En tout cas merci beaucoup tozana esengo vraiment esengo na biso zali lelo lobi libela na libela. Merci vraiment mon mon santo. Merci papa Simon Kimbangu Kiangani. Okonja boule oyé bajen oyé bajen oyé 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 espoir de l'église. Nous sommes aujourd'hui avec la jeunesse de la paroisse de Paris Saint-Denis, nos sœurs de la GTQ. Et maman, comment vous sentez-vous en cette nouvelle année 2023 et cette date du 6 avril étant décrétée journée payée, fériée évidemment. Comment vous sentez-vous pour cette nouvelle année et cette date justement qui a été décrétée fériée et payée?
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je m'appelle maman Lutumba Louis et Gaston, de la paroisse de GTQ Paris Saint-Denis. On est vraiment très très contents, parce que c'est quelque chose que nos parents, nos ancêtres, ils se sont battus pour cette cause-là. Il y a de cela des années. Il y a des années vraiment qu'ils se sont battus pour ça. Aujourd'hui, on a, après tant d'années, après tant de, pas de défaites, mais tant de souffrances qu'on a eues dans l'Église, de moqueries envers les non-kimanguistes, envers toutes les autres confessions religieuses, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle chez nous en Lingala, Elonga. Donc on a réussi, pour nous, c'est qu'une date pour certains, c'est qu'un férié pour d'autres, c'est qu'un un chômage ou un jour férié, mais pour nous, c'est vraiment beaucoup. Parce que 37 000 familles qui se sont battues, qui sont mortes pour cette cause-là, aujourd'hui, là-haut, dans les cieux, ils sont fiers de nous, ils sont fiers de nos parents, ils sont fiers de l'Église kimanguiste. Et j'ai rien d'autre à dire à part merci beaucoup Papa Simon Kimankengani, le Dieu, le chef, le roi, celui qui nous guide aujourd'hui, celui qui a permis aussi qu'on puisse célébrer et voir cette date historique, parce que ça rentre dans l'histoire. Chaque année, maintenant, jusqu'à la fin de notre vie, ce 6 avril, ça sera pour la mémoire. La mémoire, en tout cas, Tokokoba Naba Christine Abisso avec notre maman. Maman, qu'espérez-vous voir pour cette nouvelle année 2023? Qu'espérez-vous? Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous de voir justement avec toutes les prophéties que Papa Simon Kimba nous a dites, il ne cesse de les dire. Qu'espérez-vous pour la suite justement de ces prophéties-là et de la réalisation de tous ces miracles? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on espère les voir jusqu'à la fin de notre vie, être là pour pouvoir voir les prophéties s'accomplir et puis continuer de pouvoir fêter le 6 avril avec peut-être dans le futur nos enfants, nos petits-enfants et puis pouvoir continuer de raconter l'histoire. Raconter l'histoire, merci beaucoup maman. J'étais qui, oh yeah! J'étais qui, oh yeah! J'étais qui, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, pilier de l'église originale.